Si le Racing Club Strasbourg-Alsace, 15e au classement, est sorti de la zone rouge de Ligue 1 depuis quelques journées, il le doit en grande partie grâce à Habib Diallo. Déjà très bon en première partie de saison, l'attaquant sénégalais de 27 ans confirme et enchaîne de belles prestations. Il a marqué 4 buts sur ses 4 derniers matchs de championnat. Son coéquipier Jean-Eudes Aoulou, présent en conférence de presse ce vendredi, a évoqué cette forme bénéfique à l'équipe. On a Habib Diallo, qui est très en forme en ce moment. On est content pour lui et on espère que ça va durer. On a Kev Gamero, aussi qui revient à la compétition, après avoir été suspendu, et qui se crée pas mal d'occasions sur les derniers matchs. On espère qu'il va retrouver assez rapidement le chemin des filets. Tant mieux pour l'équipe d'avoir des attaquants qui sont en confiance et en pleine bourre tout simplement, constate le milieu de terrain international ivoirien de 28 ans. Dans une interview accordée à The Sun, le défenseur central sénégalais Kalidou Koulibaly, malgré son temps de jeu peu conséquent sous Potter, affiche en effet un soutien très clair à son entraîneur. Graham Potter est très doué pour communiquer avec tout le monde. Et il se fiche que vous coûtiez 100 millions de livres ou 20 millions de livres, il vous traitera de la même manière. C'est la marque d'un grand entraîneur, a fait savoir Koulibaly qui a également pris le temps de se confier sur ses premiers mois à Chelsea. Il promet du mieux une fois que la période d'adaptation aura passé. Ce n'est pas une saison difficile mais j'ai besoin de temps pour m'adapter et je le savais. Quand j'ai décidé de venir ici, j'étais bien conscient que ce ne serait pas facile. J'ai un contrat de 3 ans et je suis serein. J'ai le temps de montrer à tout le monde qui je suis, dit-il.